sur l'autre jeu, toi. Yo yo yo, bah c'est sur StarCraft que tu voulais gagner, non? Ah ouais, bien vu. Je suis pas sur StarCraft, moi. Je sais pas. Je vois pas code pour l'instant, en tout cas. Le jeu s'est pas lancé en fait. Avait double clic, mais apparemment j'ai mal double clic, c'est pas lancé. Efficace le mec. Ah oui, le niveau du type. Le mec plutôt efficace. Assez raffiné. Nous allons faire donc de l'archonte, n'est-ce pas? Je sais même pas comment on tag dans ce bot de jeu. Tu te mets juste en mode archonte et tu fais classer. Là où il y a multijoueur, il y a 2C2, 3C3, 4C4 et il y a archonte à côté. Et attends, mais comment c'est possible qu'on puisse tag la race? Les deux? Normalement on est censé être la même race, avec une seule personne. Non mais je pense que ça fucked up le truc, si toi tu te mets tes zergs là et que tu tags, on tag, moi que je suis terrain, ils vont nous dire que c'est mort, non? Essaye, on peut pas mettre le choix. Et le fait que tu choisisses, bah c'est... Ou alors ça choisit random entre l'un ou l'autre, là ça serait chiant. Hein, t'as envie de micro du zerg? Un C1... Recherche Archonte. Et je... Ah, je vais annuler, merde! Pardon! Oh la qualité! En plus, j'ai écrit cliquer pour annuler. La qualité! Mais non! Je sais pas pourquoi, j'ai cru que pendant un moment c'était comme le mode arcade et que c'était pour entrer dans le salon, genre ça. Je sais pas pourquoi. Je suis cliqué dessus. J'ai écrit. Recherche Archonte, cliquez pour annuler, il a cliqué, cliquez pour essayer, non, cliquez pour annuler. Mais excuse-moi, mais l'icône c'est une loupe, putain. Oh putain, il y a une loupe. On va mettre une croix plutôt, genre en mode, tu cliques, ça annule. Ah, parce qu'à la fois c'est une recherche, donc bon, une loupe. Ouais, je sais, mais frère, si on recherche à la loupe, on est pas prêt d'arriver. Si tu cliques sur la loupe, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Oh merde. Mais est-ce qu'il y a vraiment du monde qui joue? Je sais pas, frère. Après, on est en placement aussi, alors. Hein. Des fois, ça met un peu de temps parce que y a personne qui est en placement ou y a personne qui est autour de, je sais pas, notre MMR ou je sais rien. Ta MMR à toi, elle doit être broken. Pourquoi tu dis ça? Ma MMR elle serait broken. Bah on fait du MMR, 2v2, non. Du 3v3, du 4v4, on passe du 3v3, on joue avec des singes, on fait du, tu vois, du... Bah du 2v2 où je joue avec moi-même qui suis un singe, hein, un peu... voilà quoi. Et voilà quoi, un terrain contre terrain, voilà quoi. Portrait de Nova, le portrait de Pharah, frérot, frère. Comment ça se passe? Du coup au début tu fais tout, c'est ça? Ouais, je te laisse faire le truc familial. Tu fais la compo que tu veux, et moi je fais mes bails après sur la carte. Pas assez de minerais. Merde, je peux parler à mes alliés. Mais tu vois, c'est pas parce que je peux marquer des trucs que je vais dire bonjour. Je suis pas un mec furieux. Y'a pas de IGLHF ici. On est contre Terran. Les Reapers, ça peut être bien, t'as envie de micro des Reapers? On peut essayer, hein. D'accord. Voilà. Tu crois, que je vais dire bonjour à CF? Petite espèce de roumain là. Donc, du coup, tu vas nous faire un triple axe Reaper des Famix? Ouais, peut-être pas à ce point là, si. Par où il faudrait que je passe là? Tu te sens confiant ou pas? Je sais pas, mec, t'as le temps d'étudier! Hein. Bah, je réfléchis justement par où il faut que je passe. Dorax Reaper. Ouais, Dorax Reaper, allez. Qu'est-ce qu'il dit, lui, frère? Juge, on s'en bat les couilles. On s'en tamponne le jonc. Ouais, Reaper, ça me paraît bien, y'a plein de petites pamphlettes là. Ok. Moyen de faire des decks de riff. Y'avait un truc qui se coûtait là. Ouais, micro la prop.
Et je l'ai mis en un clic dessus, hein. La probe adverse. C'est le premier Reaper qui va sortir, il va le savoir. Hein. De toute façon, il a tout vu en vrai. Tu récupères le premier Reaper qui sort direct? Ouais, mais je la tue sa mère, tu préfères que je tue son péon ou je me barre direct? Ouais, tu peux le tuer en vite fait, c'est trop de... Non, non, le tue pas, c'est trop loin. Il a pas vu, il l'a pas vu en plus. Bon, pars avec le faucheur direct. Ouais, je suis parti. Je t'ai mis les suivants en rally point sur toi. Ça marche. Il y en a un deuxième qui arrive. Ok, il est prêt, hein. Il y a des Marines. Il va y avoir le deuxième qui va arriver là. Ça peut sans doute te mettre bien. Il y en a un autre qui arrive, mais du coup, ouais. Je sais pas si ça vaut le coup, je continue. J'ai réussi à trouver une brèche. Ils ont pas expand, ils ont rien fait. Faudrait que t'arrives à rentrer, voir au moins ce qu'ils font. Il y a beaucoup de Marines. Il y a une usine. Wow. Je t'en renvoie ou pas? Non, je pense que ça sert à rien. Okay. Marines, déjà, il y a sûrement un siège tank qui va sortir. T'en as perdu un? Non, t'en as pas perdu. Ah, j'en ai perdu un. T'en as. C'est le dernier qui arrive là. T'en auras 4, je crois, au total. Marche. Là, je pense que je vais juste pas trouver. Oh là, ok, il sort avec ses Marines. Avec les bombes, tu peux faire du lourd. Hein. Avec les mines. Il y a un cyclone. Traverse la carte. De la merde. Je le ralentis juste là, pour l'instant. Là, je peux pas le contest. Je chie la macro. Il arrive du coup? Je sais pas, ouais. Là, je joue avec lui, je fais perdre du temps. Ok, gagne du temps si tu peux. Moi, je suis pas prêt, hein. J'ai pris un supply à la con et tout. C'est de la merde. Mais par contre, y a un tank qui va sortir. Ok, là, il va pas tarder d'arriver, je pense. Les Reaper, ils ont pris de cartouches, hein. Les perds pas, hein. On a rien. Il faut que tu tempos le temps du tank. J'ai fait une PF. Il y a un cyclone, il arrive là, il rentre là. J'ai fait une PF gros. Ah, j'ai perdu un Reaper putain. C'est pas grave, j'ai un tank. Je vais essayer de prélever les Marines derrière là. J'ai prélevé les Marines. C'est une PF, hein, il le sait pas, mais c'est une PF gros. J'ai perdu un deuxième Reaper. Mais qui c'est qui bouge le tank? C'est moi. Oh. Ok. Quoi? Tu croyais que c'était qui? Non mais je voyais le tank qui bougeait de façon chelou. Laisse-le là le tank. Faut que je prenne l'habitude de pas avoir des groupes de... Enfin faut que je fasse des groupes de commandes avec toutes les unités. Tu te sens de drop ou pas du coup? Ouais, je peux essayer vu que j'ai que ça à faire. À mon avis, ça va pas trop pour un premier drop. Ils sont. Enfin, vu qu'il était déjà prêt pour un. Y'a une Banshee! Y'a un char chez eux. Y'a une Banshee! Ouais, mais t'as rien. Répare, non, tu vas où? Je l'ai amené dans la ligne de mire pour touché, Reaper! J'ai pas touché. Bah, il a décalé, je sais pas pourquoi alors. Moi j'étais que sur le Reaper. Et du coup c'est con parce que je dois micro pour qu'il y ait de la banshee en fait. Ok, c'est pas grave, il a pris juste un tank. On a un push solide là, hein. T'as les steam? Tu peux y aller, non j'ai pas le steam mais... Prends le tank avec, hein. Tank, waouh. En bas. Mec, je vais tout perdre sur un drop, hein, je devrais bien. Mais t'es pas obligé, en fait tu peux aller jusqu'à chez lui et te mettre devant chez lui, hein. T'es pas obligé de drop chez lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Comme ça, tu t'avances avec la Banshee. Il m'a vu avec la Banshee, il y a une Banshee qui arrive. Ok, tu peux dropper tes medivac pour les faire sortir. Hein. Bah, j'ai tracé du coup, moi. Ok, ok, t'as tracé, ok, je défends. Hein. Enfin, j'essaye. La libération est proche. Champ de minerai épuisé. Je passe en Raven. Je l'ai mis le Libérator hein, sur sa B3. T'as un scan? Non, j'ai pas de scan. J'ai un scan, tu veux un scan? Ouais, vas-y, sur Avanti. Ah, j'ai plus de Barines bientôt. Ça servait à rien, fallait que je scanne à la maison. Bah, ouais, mais enfin, c'était trop tard quoi. Non mais fallait que je scanne à la maison pour nous dev du coup, c'est plus dit, toi t'avais plus rien là-bas. Et le scan je l'avais pas hein, je pouvais pas l'inventer. Hein. Tu peux micro pour venir enlever la Banshee là? Ouais mais j'arrive. Tu peux refaire un push là. T'as beaucoup hein, à la maison. Je vais prendre 2 VCS pour réparer mon tank. Ouais, vas-y. Ah, il y avait le libé là-bas, je t'avais dit que je l'envoyais là-bas. Ah merde, je glissais putain. Mec, là faut plus drop, hein. Regarde tout ce qu'il y a à la maison. J'ai pas assez de medivac pour tout emmener là. Hein. Tu veux que j'aille en frontal, c'est ça en fait. Je t'ai fait un Raven en plus. J'ai pas de scan hein. Bah ouais, j'attends que le corbeau arrive du coup. Ah mais amène ça derrière là où il y a les tours. Je micro le corbeau. Le micro. Le truc c'est que hop. Va chez lui hein. Va chez lui direct. Champ de minerai. Putain, trop fou, j'arrive à faire ça. SS, prêt. Gros boulot, hein. C'est pas mal ce mode de vie, ça me plaît bien. Bougez-vous, j'arrive. Je micro rien, hein. Je sais pas bien. Oh, y'a des mines et tout. J'ai un scan. Il est où ton corbeau? Bah je te l'ai laissé, tu m'as dit que je le micro. Ah non, mais je le micro pendant la fight, c'est tout. Je t'ai renvoyé des troupes, hein. Je te mets le steam, un peu late, mais... T'as le plus en attaque, déjà. Du coup... Tu peux mettre une tourelle, là, large. Tu me la cancel, en fait, à chaque fois. Non, tu veux pas mettre une tourelle? Non. Ah bah vas-y si tu veux. Vas-y, mets la tourelle si tu veux. Ouais, si on perd le Raven, on est. Ouais, je vais matrice un tank. Je te matrice un tank. Vas-y, go. Je suis déjà dedans. Ah, mais tu prends pas les troupes qu'il y a derrière? Je te ramène des troupes, c'est vrai. Je micro juste le Raven, moi. Tout ce que je fais. Je matrice le tank. Si tu m'en empêches pas. Matrice. Y'a des banshees hein. J'essaie. Merde, j'ai fait de la merde là. C'est con parce que j'avais mis une tourelle, c'était beaucoup mieux. Mais bref. Non mais mec, je suis pas gros, je suis pas habitué de jouer avec toutes ces unités différentes, mon ami. D'un coup, je sais qu'elle touchait pas la macro à faire, mais mec, je suis pas un PGM de StarCraft. Hein. Ouais, non, c'est pas, je te dis juste que ce que j'avais fait et tu le sauras. Enfin, là, poser une tourelle, c'était beaucoup mieux que mettre un missile. Quoi. Tu vas voir le Steam là. En fait, je croyais que j'avais le Steam quand j'ai appuyé sur T. Non, je te dis, tu vas l'avoir, gros.
Mec, par contre, ils sont sur B3. Hein. Si on fait aucun push là, on perd. Hein. J'ai pas de scan. Gère juste les corbeaux si tu veux. Attends, les banshees là. Mais on peut y aller, on peut y aller, pourquoi on y va pas? Il y a deux banshees, on recule alors qu'on regarde tout ce qu'on a quoi. Il y a de chars derrière à chaque fois. Puis je fais de la merde. Arrête de me reprendre le corbeau, please. Ah mais putain, mais c'était dans le groupe de commande du coup, c'est pas pratique. J'en sais les unités de mon groupe de commande là à chaque fois. C'est dommage parce que j'ai pas pu matrice en fait. Y'a des banshees chez nous. Ok, je te laisse le corbeau, je défends là. Y'a trop hein. Y'a trop chez nous. Je sais qu'il y a trop. Wow. Ouais, y'a trop chez eux aussi gros. Merde, j'ai fait de la merde là. Mais allez, j'en peux plus, c'est bon, petit fils de pute. Mec, je peux pas. C'est compliqué le mode Archonte quand même. Ouais, c'est pas grave. C'est notre première game, on s'en bat les couilles. Je trouve ça assez cool en vrai. Vas-y, on va deny cette base. Qui c'est qui enlève mes marines là de la défense là que j'essaye de défendre? Oh, mais... Y'a que moi qui peux les enlever gros, je dois faire des F2 à tout va des fois. Mais non, mais fais pas de F2 justement, c'est le but du mode Archonte en fait. Tu me dis que t'as des groupes de contrôle, tu me prends le corbeau et en fait tu fais des F2 gros. Oh, je comprends pas trop. Non mais mec, quand tu m'envoies des unités, des renforts, je mets tout dans un seul groupe de contrôle et ensuite il faut que je les split à chaque fois. Y'a des avantages mais y'a des inconvénients du coup. Oh le yap avec le scan il est parfait. Mais non, c'est moi qui estime, parce que je vois que je te scanne et tu fais rien. Mais là, on a lose. Là, on a tellement lose. T'as fait des dégâts? Pas tellement, ça. Bah, je sais pas, sois précis. T'as fait des dégâts, t'as pris une base, t'as rien. Non, non, j'ai fait lever sa base. J'ai pris 4 tanks, j'ai pris quelques banshees. Non, mais pas des unités, moi je te parle des dégâts économiques. Parce que là, si on fait pas de dégâts économiques, on a perdu. J'ai tué ce qu'il y avait sur sa base. On s'en va. Oh, c'est pas évident. Je suis pas bon à StarCraft, gros. Mais on s'en bat les couilles que tu sois bon ou pas bon, gros. T'as juste des unités à micro. Genre, ça t'amuse de micro des unités. Alors, juste fais une micro propre, quoi. On essaie s'accorder aussi, c'est avoir un peu de discussion, tu vois. De dire, quand je te dis je vais micro un corbeau, ou tu sais, c'est une habitude à prendre aussi, tu vois. Genre, moi, je t'ai enlevé à un des moments, j'ai fait un F2. C'est super mauvais, ça te fait chier, tu vois. Faut pas que tu fasses de F2, faut pas que je fasse de F2. Faut que si je te dis je micro ça, boum, je micro ça. Mais faut que toi, t'as la présence d'esprit de regarder sur la map et tu m'aides à défendre aussi, tu vois. Ou si je te dis je défends, c'est bon, continue ce que tu fais. Tu peux continuer ce que tu fais, mais s'il y a pas de call. Tu sais pas si tu dois défendre ou si tu dois attaquer en fait. C'est juste pour qu'on se parle, gros. Sinon c'est fun, hein, comme que j'ai trouvé ça cool, moi. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Je me suis un peu énervé sur les banshees, mais. J'avoue. Mais bon. Ah, ça, t'es un peu un connard, mais. Bon, bah, ta gueule maintenant. Bah, regarde, je dis rien. J'admets, c'est tout. Ça, je suis chaud là, je m'énerve. Tu manquais de rien parce que je manquais de quoi, Oni? Parce que sur les push là, t'aurais pu faire des dégâts, des moments où il s'est passé quoi en fait? Sincèrement, je sais pas, il manquait juste, je sais pas. Le premier, ben ça je pouvais pas le savoir, après mon nez, tu peux pas savoir non plus, mais le premier scan là, ben, au moment où j'ai vu que c'était la Banshee, le premier scan il a tardé un peu, ben, c'était trop tard, j'avais plus de Marines. Je peux clean cette Banshee, je pense qu'après, genre, la B3 il la pose pas, tu vois. Hey, je peux pas, je suis sur B2 peut-être. Il y en a un pas grand chose à ce moment-là, qui saurait ou qui sait, qui tâte un peu, genre, le faire des screens ou faire une bannière, ce genre de conneries. Ouais, c'est personne sait faire ça. C'est Manu, faut que tu demandes. C'est Manu qui fait ça? Vas-y, ouais, faut que je lui demande. Faut que je le chope.
Après, faudrait que tu mettes un petit. Moi, faut que je le fasse aussi sur ma chaîne perso. Faut que je mette un petit truc qui redirige vers GameLab et tout. Faut que je mette trois petits trucs. Ouais, carrément. Que du TVT. Mais il faudrait, ouais, mais un truc stylé avec. Enfin, ouais, avec une. Bah, tu sais, un. Comment dire, un icône stylé où hop, tu cliques dessus, ça redirige vers le site. Mais je suppose que ça, il doit l'avoir. Ouais, ça, il va t'expliquer comment faire. Ouais, bah, ça, on l'a déjà. Bah, ça, je vais faire, mais je suppose qu'il doit l'avoir, quoi, le truc. Ouais, on l'a déjà, je pense. Bah, sur le stream, ça marche, là. Donc, ouais, je pense qu'on l'a largement. Vas-y, hein, bah. À l'occasion, là, dès que je le vois. Je sais pas si. Du coup. Je sais pas s'il sera là, ça. Ouais, si, je pense qu'il va passer au moins. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, du coup? C'est Terran contre Terran. Encore Terran contre Terran, ouais. C'est la même map en face. Ouais, j'ai peur, c'était nul tout à l'heure. Fais-moi un truc familier pour moi. Moi de la bonne bio stimée. Parce que en fait moi je peux. Peu importe le BO, fais-moi de la bio stimée solide. Du maraudeur, du marine, tu peux mettre un peu plus late avec du tank, tu passes sur B2 et tout. Je te fais du sang crack, vas-y, je te fais du sang. Tu fais ce que tu veux, mais. Ouais bah sans crack. Mais sur de la bio, je. En fait, y'a même pas de vrais rochers ici. Y'a des rochers. Hello, I'm Vodka. Yo. Bonjour à toi, Vodka. Hello, quoi. Bah, c'est ce qui était marqué sur le channel général, c'est pour ça. Ah bon? D'accord. Ouais, de Overwatch. Qu'est-ce que ça fait de beau? À part du StarCraft en coop, par contre, et puis en mode on n'est pas content. Non, on fait du mode ah non, c'est notre façon de se. Avec Ama, on a une façon de s'exprimer comme ça. Mais... C'est ce que je lui ai dit en fait. Moi, dans les games, en général, je pars un peu trop vif, tu vois. Des fois, on pourrait prendre ça comme une agression. Mais non, mais au début, je me suis dit, je viens pas acheter de l'huile. Puis aussi, j'entends Bizo commencer à parler de bannière. Il me dit, c'est bon, il a détendu l'ambiance, je peux venir. Merci, Bizo. Merci, Bizo, il a déclenché. Voilà. Désenclenché. Allez, je cherchais un mot, j'ai pas trouvé, ça me cassait. Oui, tant pis. Abandonne. Ouais, j'ai abandonné du coup. Il abandonne vite quand même. Désamorcé. Voilà, c'est ça. Ouais, il abandonne vite. Ça, c'est sa particularité. Sinon, vous allez bien? Écoute, ça va. Et toi? Ça va, calme. On fait aller. Il fait beau. Profite. Oh, y'a Marines. Marines. Tu vois pour commencer à scout? Tu veux que je scoute aux Marines? Ouais, juste tu t'avances, tu regardes un peu sur la map ce qui se passe. Hello, mighty. Hey, pourquoi map? C'est moi qui vais t'envoyer les. Ouais, mais à moins d'un ordre contraire, c'est moi qui vais t'envoyer les troupes directement sur toi, tu vois ce que je veux dire? Mais tu m'as envoyé un VCS là. Ouais, tranquille, genre. Du coup, c'est quoi le mode Archon en deux mots? Y'a un VCS qui s'est cargué, je sais pas où. En fait, on joue à deux le même. La même base, enfin le voilà, même c'est base. C'est ça le mode Archonte. Ouais, okay. C'est ça. Ouais, je kiffais bien le concept, mais ok, c'est ça donc ça. Ok. Je sais pas s'il y avait autre chose. Franchement, c'est lourd. Hein. Mais non, mais ça, tu peux pas faire avant. C'est la première fois que j'essaye. Bah, en fait, on avait jamais essayé, mais. Ça fait. Ouais, ça fait quelques temps, hein. Je pense, ça fait plus d'une année que ça existe. Ok. Donc, effectivement, c'est ce que je trouve sympa. C'est ultra ouais, lourd, franchement, ça fait des possibilités. Ouais. Enfin, c'est. Sauf quand on se prend la main sur le même truc, j'ai entendu. Ouais, non, mais ça c'est la première fois qu'on fait, c'est une habitude à prendre. Le truc, c'est que je joue beaucoup. Enfin, je sais que c'est pas bien, mais moi je joue beaucoup au F2 encore. Du coup, c'est compliqué. Ah non, mais faut que t'arrêtes le F2. Eh ben là, ouais, forcément, je vais être obligé d'arrêter. Hein. F2, donc, moi, c'est. Tu veux viser des drones là? Parce que je sais pas pourquoi tu vas faire quoi, taper sur le mec. Oh, putain, t'as déjà le compulsif, cet enculé. Masse un peu tes marines, et là, tu vois, tu fais une première erreur, mec. Tu tapes pas sur les. On s'en fout de taper le Nexus, hein. Rien à foutre. Ouais, tu prends au moins deux probes. Par contre, ton marine c'est mort, du coup, faut que je te remette le rally point. Du coup, il y en a un qui gère les troupes, l'autre les ressources. On essaye de. Tu sais, un qui pose les bâtiments et qui envoie les troupes à l'autre, un qui défend, un qui attaque, un qui micro vraiment, tu vois. Genre, Ama il est. Fou micro. Prends des VCS à chaque fois, prends des VCS. Ouais. Faut que tu ramasses tout là. Y'a des trucs qui se sont égarés, je crois. Tu peux faire un F2 là, tu veux. Je suis bodyblock comme un connard. Micro ça. Dommage, le hit and run était pas. Bah, mais.
tu es tellement habitué à jouer au Steam à pas sortir sans du Bolson. Mais comment ça fait, ça change rien, tel Steam ou pas, gros? Bah, le Steam, vitesse de déplacement et vitesse d'attaque, ça change tout dans le jeu. J'ai pas de canon. Je vais trop vite en fait, et je cancel les autos, comme un là, connard. Là, t'as plus assez. Ouais, mais gros, c'est un truc. Ah, après, c'est vrai que t'as pas beaucoup. Je reviens. C'est un truc que tu dois te familiariser direct. Bah, je lui dis Gaga B2, toujours est-il, hein. C'est toujours pareil. Hein. Bah, je reste là, je lui dis Gaga B2. C'est juste ça. En fait, il faudrait un scan, parce que là, ça se trouve, ça fait 10 minutes qu'on a gagné en fait. Je pourrais monter dans la scan au pire. Et j'en ai pas. Okay, je l'aurais fait sinon. Je vais en avoir un bientôt là, t'es. Faudra que tu sois prêt à guetter l'ambiance. Attends, je vais envoyer mon petit Marines qui est mort déjà. C'est dommage, il avait peut-être pas posé le bunker, on avait gagné direct. Là, il va masser les maraudeurs et je vais avoir du mal. Hein. Je te mets un scan, tu peux y aller, hein. Large, hein. Mais tu m'as préviens pas, tu me le claques comme ça. Non, il répare. Non, tu peux pas, va-t'en. Mec, tu es sérieux? Mais non, mais faut tester, gros. En fait, si tu testes pas, tu sais pas. Faut faire des. Mais non, mais d'accord, mais dis-moi, je vais mettre un scan. Ouais, mais je peux t'en mettre un autre. Mais non, je suis parti maintenant, du coup, tu me dis y a pas assez, c'est mort, il répare. Je vais juste délay, je vais voir. Ouais, delay sa B2. Et regarde, ouais, on voit des petits marines s'il a pas lancé. Ouais, excuse-moi, je force un peu l'histoire. Juste le rally point. Je sais pas où tu l'as mis, mais. Non, il est pas sur toi. Amélioration du centre de commandement. Mec, t'as que ça à faire, hein, t'as le temps normalement là. Non, mais j'ai pas mis les bâtiments de production en raccourci justement, donc j'ai pas le rally point. Non, mais t'as le temps, je veux dire, de récupérer les troupes qui arrivent. En fait, ils arrivent sur tes marines. J'ai mis le rally point sur tes marines, donc ça veut dire qu'ils. Je sais pas comment dire. What? Non, t'inquiète, j'avais laissé 4 marines ici. Ouais, mais 4 c'est trop gros, 1 c'est suffisant. Va falloir que tu te masses là, hein. Parce que s'il arrive. Voilà quoi. Mais pas très bien. Les unités de la base, hein. Très bien. Ouais, bien sûr. Là on est en avance niveau écho, maintenant faut juste pas perdre des fights. T'as été. En fait, je te dis d'aller. Enfin, tu sais, de contrôler. T'as contrôlé de l'autre côté, t'as pas regardé celle-là. En fait, t'envoies un Marines de chaque côté quand tu fais ça. Olé. Monde. T'as plus, hein. Sauf s'il a des upgrades. Prends pas le risque. Là, tu vois, c'est une fight où t'es obligé d'y aller en fait, il va te suivre. Là, à partir du moment où t'as lancé, fallait y aller en fait. Là, tu perds tout parce que tu back. T'aurais tout perdu, mais t'aurais tué plus que ça. Là, en fait, c'était une situation où tu pouvais plus back en fait. Mec, s'il te plaît, fais-moi le Steam la prochaine fois, gros. Le Steam, quoi, s'il te plaît. Comment tu veux que je me batte sans Steam en fait avec juste des Marines? C'est pas possible. Bah, je gagne des games comme ça. Bah, non, c'est pas possible. Bah, si, c'est possible. Bon, ça, c'est un BO de Maro. Hein. Je m'en bats les couilles, je suis pas marrant, frérot! Mais t'as. Mais d'où tu sais jouer avec. Je sais pas! Ah, frère, il y a avec des Medivacs, t'es du Steam, gros, je suis avec juste. T'as pris une mauvaise décision, gros! Tu dois continuer de fight en fait! Ouais, et mourir parce qu'il y a des Medivacs. Non, gros, il avait pas. Au début, le Medivac était pas arrivé. Mec, regarde. Et tu serais. En fait. La première. Non, attends. La première fois, t'avais plus que lui? Je commençais à le suivre, après tu m'as dit non, prends pas le risque. Donc du coup, j'ai back. Ouais, ensuite, je t'ai dit t'as plus que lui. Là, tu pouvais y aller. Donc du coup je me suis réavancé. Ouais, et t'as vu un Medivac. Ouais, mais une fois que t'as engagé, gros, une fois que t'as engagé, c'est à partir du moment où en fait lui, tu l'as vu de la façon dont il jouait, t'as déjà vu qu'il avait le Steam. Il va forcément te follow et tu vas tout perdre. Autant site, prendre la fight, lui prendre le maximum, qu'il est Medivac ou pas, mec, t'avais genre 20 Marines, tu fais un T-clic sur le Medivac il est mort, tu vois ce que je veux dire? Et même si ensuite tu perdais la fight à cause de ça, au moins tu lui prélevais genre au moins la moitié de son armée en fait. Et quand il arrivait à la maison, il y avait le tank et Medivac, pas Medivac, on pouvait tenir la def, tu vois ce que je veux dire? C'est. Après, je vais te faire des. Tu veux du Steam, je vais te faire du Steam, mais le problème c'est. Je joue pas tous mes VO. Non, on se dispute pas, t'inquiète, grave. T'inquiète, on se dispute pas, mec. Mais c'est. Pas mal de mauvaises décisions, mec, tu vois, genre, tu peux lui prendre deux drones, tu lui prends pas au début,
Tu peux lui... je suis mauvais à mais ce jeu. C'est pas grave que tu sois mauvais, gros, tu vas t'améliorer en fait. Ça m'énerve encore plus. Bah non, parce que là tu peux te concentrer juste sur tes erreurs en fait. Je dis pas que moi j'ai tout fait parfaitement, hein, j'ai rien fait parfaitement. Non, mais bon, je te critique pas du tout, c'est juste que je t'ai demandé putain de bio stimé et que j'arrive, j'ai juste de la bio pas stimée de merde. Et ah, mais le problème c'est sur que. T, fin, ça me bah ouais, mais gros, tu dois savoir faire sans bio en fait. Sans c'est la merde, mais. La marine sans steam, comment ça? La marine sans drogue. Mec, c'est dommage. On dirait. Franchement, tu sais qu'on tient ce push, on a gagné, gros. Genre, juste fallait que tu cites en fait. J'ai vu que tu avais posé 15, 45 bases sur la map, mais. Tranquille. C'est pas évident quand même ce mode. Non. Quand tu joues avec un clochard. Non, mais au moins ça te permet de voir les erreurs que tu fais, tu vois. Genre, avec ta deux marines, si tu peux prélever des probes, tu tapes sur un Nexus. Genre, où est la logique? Il y en a aucune. Bah, je sais pas, y'a pas de shield. Aucune, y'en a aucune. C'est parce que je voulais voir un peu la def aussi. Et après, tu sais, au moment en fait. Tu te regroupes, tu dois enfoncer en fait. Tu dois au moins essayer et t'essayes pas et tu restes, tu contrôles la B2. C'était pas mal, mais je suis sûr qu'on passait en fait. Il a eu le temps de préparer tous ses VCS, il a eu le temps de faire X trucs. Et c'est pas le moment où on devait. Genre, on a attendu pour le scan, c'est parce que. On a dit on pourrait y aller avec un scan, mais en fait, de moi-même, j'y serais allé sans le scan. Mais je voyais que tu jouais Poussy, je me suis dit peut-être si je lui mets un scan, il va y aller, tu vois. Après, ce qu'il y a, c'est que tu connais pas le BO et tu sais pas que genre. Là, le BO, il est super agressif. Mais ton scan, tu peux le faire tout seul en faisant monter un Marines dans la pente. Enfin, y'a plein de moyens en fait. T'as juste un micro, tu vois ce que je veux dire? T'as des centaines de moyens de pas slacker en fait. On avait un BO agressif, fallait jouer agressif, mais fallait peut-être que je tienne au courant un peu mieux du fait qu'il fallait y aller, tu vois. Ou comme je te dis, je t'ai fait attendre aussi parce que tu pensais que le scan allait arriver. Ouais, c'est ça, mais moi je pensais juste que tu me disais, vas-y, y'a un scan qui va arriver. Et puis au moment où le scan sort, c'est évident. Genre j'ai scanné, coucou. Non, ouais, ça c'était nul, Merci. Ça c'était super nul. C'était super nul. Après, il me dit, mais vas-y, scan! C'est la moindre des choses qu'il faut que je te prévienne là. Ça, c'était nul à chier, ça. On est 100%, je suis 100% d'accord avec ça. On va lui faire d'abé au steamé à lui alors. C'est quoi, y'a des rochers ici sur cette map, on peut regarder la map. Juste là. Le mec slack, quoi. C'est le mec slack totalement. Je crois que c'est un jeu qui est pas fait pour moi, je te dis. Eh non, mais en fait tu dis ça gros, mais si tant que tu joueras pas, tu t'amélioreras pas. Mais ouais, mais mec. Mais comme t'as pas la patience pour t'améliorer, c'est là que je te dis où t'es faible. Tu seras forcément nul à ce jeu en fait, forcément. Il n'y a pas d'autre solution. Et il faut savoir admettre aussi qu'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas fait, tu vois ce que je veux dire. Mais moi je pense que je suis pas fait pour ce jeu. Ouais, parce pas être bon à tout. Pas être bon à tout, non mais Zekas, tu peux pas être bon à tout, c'est pas possible. Ouais, mais tu pourrais être bon à ce jeu, mais. Non mais au moins un peu meilleur mec, quoi, pas slacker. Mec, j'ai déjà essayé à l'époque une stratégie, frère, Age of Empires, plus facile que ce qu'on a là, et c'est difficile, hein. C'était déjà difficile à l'époque, j'ai pas compris tryhard, je te le dis. C'est parti. C'est. Du coup, y'a pas de main. Ouais, peut-être que lui, je vais pas le faire sortir trop longtemps tout seul, hein. Pas envie de... Mec, c'est un zerg, hein, t'as rien à craindre en fait. Ah ouais, c'est vrai que c'est un zerg, frérot. L'intérêt de me tuer cet Overlord. Ils s'en va de l'Overlord. Ben oui. What? Je te mets le Marine sans attaquer sur l'Overlord et tu. Mais gros, mais. Mais pourquoi? Tu as intérêt à tuer cet Overlord. Mais bien sûr, genre tu es cet Overlord. Gros, tu vois un Overlord chez nous et tu pars cueillir des fraises. Je sais pas où là-bas, là. Tu comptes trouver quoi là-bas en fait? Des pimousses. Des Mongolies, des Marines maintenant. Vas-y, on va les lâcher de là. Mais... Du coup, c'est quoi sinon le. C'est à quel moment qu'il faut que je peux pusher à peu près? Bah là, t'auras le Steam bientôt. Mais... Là, t'as rien en fait. Comme... Ah, j'ai pas d'unité là. Non, t'as rien. Le gars, il a posé en Dead Space, là, je peux pas faire grand chose. Hein. Mais y'a des roches! Ah, bah, je. Déjà, tu le vois, tu m'envoies pas les sondes, tu vois, je suis obligé d'aller chercher les sondes myself. Ça va être compliqué avec ce que j'ai, on a pas. On a perdu. Bon, pourquoi tu l'envoies attaquer en fait? Parce qu'il était déjà de l'autre côté, tu veux jouer quoi? Bah, juste l'enlever et attendre un autre moment plus propice pour le ramener quoi. On a perdu, ouais. Genre au moment où tu pars de tous les fronts quoi. J'essaie de def, mais ça va être chaud.
Ça va être même impossible, je pense. Mec, t'as le Steam cette fois, hein. Tu décales pas des villes en fait. Mec, j'y vois rien, frère. Avec cette putain de PF qu'il a. Tu veux que je micro? Ça, c'était pour le faire chier, tu peux me le dire, je te la bouge, hein. En fait, tu me parles pas aussi, gros, c'est chaud. Non, ils sont en train de me gonfler. Non, là. De toute façon, on a perdu, hein, mais c'était pas pour. Ah, mais pourquoi on restait alors? Parce que on s'entraîne, gros. En fait, tu veux jamais t'entraîner, tu veux jamais. Non, tu seras jamais. Ne serait-ce qu'un peu meilleur, quoi, en fait. Mais là, non, mais là on a pas scout, là on pouvait. Là on s'est niqué, c'est tout, là, y'a rien à dire. Ah, faut que je t'envoie un Reaper pour scout. Mais même si on fait un Reaper, là on a perdu en fait. Mais il faut faire quoi en fait? Là c'est moi qui prends une décision de merde au moment où je pose l'usine et. Parce que je m'entête à faire ce putain de Steam alors que c'est pas ce qui est prio au début quoi. Et le problème c'est que si je te donne des troupes avant 6 minutes et qu'il n'y a pas le Steam, avant 6 minutes tu fais rien en fait. Ah, faut que je trouve un BO ou éventuellement tu peux faire quelque chose. Tu veux pas juste jouer tout seul? Et moi je te regarde là. Moi je sais pas, je trouve que c'est assez cool, mais juste que c'est normal que sur les premières games on galère, gros. Déjà je te fais pas un BO qui te convient. Déjà en partant de là on part foireux, tu vois. Après là j'essaye de faire un BO qui convient, du coup on n'a pas le scout parce que c'est un BO où tu cheese et plus ou moins et. J'essaye de ne pas le faire trop all-in alors. Faudrait que je scout au VCS. En fait faut que je te file un VCS et qu'on scout contre Zerg. Le problème c'est que là on se fait cheese, tu vois. Du coup on peut rien faire. Alors que si je t'envoie un Reaper et que tu vas scout avec le Reaper et que tu vois un Batarroach, tu me le dis et on sait, enfin tu vois des unités, on sait qu'il va y avoir un timing et je fais un tank au lieu de faire un Hélion avec l'usine en fait. Ouais. Et ça quelle gueule un Batarroach? Gros, il y a le bassin génétique et il y a un bâtiment après, il y a la chambre d'Evo et il y a le Batarroach. Je vois le bassin, là, le truc vert. Voilà, et bah s'il y a un autre bâtiment que le bassin, ça peut soit être un Batarroach, soit un Bata Baneling. Le Bata Baneling, je vois à quoi il ressemble. Voilà, là. Voilà, donc ça veut dire que si un bâtiment que tu connais pas, c'est forcément un Batarroach. Et après, s'il y a le T2, s'il y a le T2, ça peut être un Hydras ou. Ah mais il a besoin d'une tanière d'hydras pour faire des hydras. Qu'est-ce que ça veut dire ce faire cheese? C'est en gros tu pars contre la méta sur un timing très agressif où tu vas all-in en fait en quelque sorte. Où tu vois par exemple quand tu fais si tu fais un proxy après il y a des proxys qui sont adaptés pour avoir des transitions, mais si tu fais un proxy, c'est-à-dire mettre des casernes tout près de la base de l'adversaire et lui faire une grosse entourloupe comme ça, c'est un cheese, tu vois. Si par exemple, je sais pas moi, tu joues Zerg et tu vas propager du creep, t'as un timing en fait à très rapide où tu vas pouvoir propager du creep et poser une hatch ou poser des spines dans la base directement de l'adversaire, c'est cheese aussi, tu vois. C'est tous les, je sais pas comment expliquer exactement, mais c'est tout ce qui est non conventionnel à la méta et qui va avoir un pouvoir de surprise, mais qui va avoir une sorte de fait que t'es un peu all-in ou t'as pas sous sa case. Ou que tu prends un risque, ouais, voilà, exactement. Ça passe, ça te met bien, ça casse, ça te met mal. Après, t'en as qui sont plus ou moins all-in. J'aime bien ça passe ou ça casse 100%, c'est rigolo. Merde, j'ai fait de la merde. Du coup, c'est un Zerg. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un Zerg en face. T'es le même déjà ou pas? J'ai même pas vu. Non, j'ai pas fait gaffe, ça, je crois pas. Non, c'est pas les autres, c'était des noms de chinois. Alors, il y avait Yao Ming ou je sais pas quoi. Vas-y mec, je vais faire un autre BO avec le Reaper parce que je veux pas que je sorte trop de mes BO conventionnels. Que je vais essayer de tout faire, mec. C'est un challenge pour moi aussi, du coup. Ah non, mais si t'as pas le Steam, tu peux rien faire. Donc Non, je vais essayer de me concentrer. Y'a un Reaper qui sort ou pas? Ouais, il faut que je te sorte un Reaper pour scout. Après, en vrai, tu pourrais. On devrait scout au VCS. On devrait scout au VCS, je pense. C'est trop tard maintenant, en fait. On aurait fallu aller avant. Si tu scoutes au VCS, c'est avant, en fait. Bah ouais, je me doute. Non.
On va faire quelque chose de plus conventionnel, gros. Du coup, je pourrais attaquer. En fait, c'est ça aussi, c'est que j'ai envie de te donner des trucs à chaque fois pour t'occuper, mais. Pas obligé. Hein. Je peux pas non plus, ouais, voilà, je peux pas non plus inventer des timings qui existent pas en fait. Après, je fais un BO de merde et du coup, c'est pas forcément bon. Je t'envoie ton Reaper en bas de la chop. Ah, j'ai vu le Raypoint. Ok. Et t'as pas les bâtiments, hein. Genre prends-moi des drones quoi. Genre même s'il y a une queen, t'as moyen de te déplacer, de prendre un drone à chaque fois en faisant un bon focus. J'ai. Tenron quoi. Il dit Tenron avec un targeting quoi. Targeting efficace, de préférence. Le problème, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où je fais un 1-1-1, je peux pas avoir le Steam instant, il y a des process en fait. De façon à jouer la game safe, tu vois. Nul ce jeu quand même. Ah non, mais toi t'es habitué à un cheese et tu fais toujours le même cheese, gros. Ah ouais, sérieux. Alors, mais c'est pas censé être ça la déroulée du game. Et la poule. Tu vois, de l'autre côté, c'est une chambre d'Evo. C'est bien, tu l'enlèves du temps de minage. Mais s'arrête, t'arrêtes pas, enculé. Non, je devrais pas faire ça. Bon, je pense que je peux pas prélever quoi que ce soit avec ce qu'il a. Ouais, mais tu l'enlèves du temps de minage et tout. Ouais, je pourrais retourner le faire chier. Tu veux que je le garde? Tu veux jouer des lions ou pas? Tu veux jouer des lions ou pas? Ouais, on peut envoyer des lions. Il y a un dominant qui traverse la base, qui traverse la map là. Ok, je vais. Je peux pas te faire de marine, mais je vais avoir un viking. Juste fais la progression classique contre Zerg et ensuite t'auras les. Mais non! Moi je vais faire rien, hein. J'ai appuyé sur rien du tout. Il part sur quoi? Il fait masse de zergling, il fait masse de zergling. Ok. Il y a une queen. Je crois que je vais perdre le Reaper. Bon, je m'en sors. Ouais, ça sert à rien, je peux pas. Si tu peux rien faire, c'est pas grave. Trop de zergling. T'as un viking à micro à la maison? En sachant qu'il est déjà en train de faire ce qu'il doit faire. Non, je suis occupé un peu là. Ok, bah je m'en occupe. C'est bon. J'ai pris deux petits zerglings là. Je récupère là. Oh merde, j'ai récupéré les lions. Je t'envoie les lions, non, je te les envoie, c'est moi qui les envoie. Ok. Gros, je suis désolé, mais contre Zerg, faire de la bio c'est. Non, t'inquiète, pardon. Non, mais genre, j'ai le choix en fait, c'est maintenant que je dois choisir. Soit je fais de la bio. Soit on part sur un gros push avec des Hellbats. Et ils posent B2. Ouais, ils sont nuls. Mec, t'as toutes les troupes que tu te sers pas là. Conçu pour le combat. Un pool. Genre, tue la tumeur, please. Merci. Du coup, je sais pas, j'ai pas choisi en fait. Là, c'est toujours pareil, hein. Tu utilises des troupes qui sont bonnes pour faire autre chose, tu les utilises sur un bâtiment en fait. Genre, ça n'a aucun intérêt de prélever sa hache en fait. Prélevez-moi ces drones là. Voilà. Et là, c'est du G's. Je me suis supply comme autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a un million de bâtiments à faire, je comprends pas. C'est des spines, il a voulu poser des spines en fait. Mais en fait il joue super mal, on a enchaîné pas mal de défaites. Il joue vraiment très mal. Encore plus mal que vous. Ouais, c'est dire. Ah non, nous on s'entend pas, on s'est fait cheese une fois, on a. Gros, le Medivac il a rien à faire là en fait, t'as encore fait un F2. Ouais, ils ont envie de rester dans la game.
Vas-y, du coup, je te fais de la bio, de toute façon, c'est gagné. En fait, tu m'as encerclé avec des spines. Et de m'encercler avec des spines. Le viking, il est où? Tu l'as perdu? Ah, y'a moyen. Je l'avais posé au sol à un moment. En fait, il est en train de se blinder de bâtiments, de spines et compagnie. Il y a plus beaucoup de probes, hein. Enfin, j'ai pris un max. Alors, moi, qu'il y a un truc caché, mais je peux pas. Je vais te faire une petite compo avec du libé et des tanks pour le finir. Ouais, il a lancé ses spines au fur et à mesure. Pas trop contest du coup avec Elion. Non mais tu peux faire des Albat là si tu veux. Ah. Et ça gagne contre les Spine et compagnie ça? Non mais... Attends, reprends le Medivac. Envoie-toi toutes tes troupes à un endroit. Récupère ce qu'il y a à la maison parce qu'il y a un Medivac aussi. Qui va healer tes Albat. Enfin... Mais attends d'avoir le tank, ça sert à rien de le pousser. Il avance avec Overlord. Par contre attends, j'ai fait un peu de la merde. Pour l'action. T'as un libé, tu peux... Je te l'envoie. Vas-y. Ouais, il est en train de se blinder de Sporuler et de Spine, gros. Ouais, il fait n'importe quoi. Il va falloir que tu fasses la range, si c'est possible. Parce que non, Sporuler, t'en as pas besoin, gros, t'as des tanks, si tu veux. Genre là je peux pas en fait genre déplacer des bâtiments. Tu peux prendre les tanks là? Ouais, y'en a pas pour l'instant. En fait là on attend juste le bon moment, hein, c'est tout. Par contre je te renvoie juste tes troupes. Ah, merde. Est-ce que je tente un drop sinon? Vu qu'il a posé toutes ses spines. Non, je pense pas que ça vaut le coup. Garde pour avoir la masse. Et tu sais de sport? Avant que tu t'en livais? Je peux pas. Tu pouvais large. Y'a plein de spines derrière. En targeting, mais juste tu tuais celle-là en fait, toutes les autres derrière. Je connais pas les damage. Quand j'ai vu les lions, ce que ça faisait comme damage tout à l'heure, je me suis dit, mais ça mettrait un an pour les tuer, gros. Non, mais en plus là, elle était en train de bouger et tout, tu pouvais la poke facilement, ça que je veux dire aussi. Tu vas avoir ce qu'il faut qui arrive, hein, donc juste patiente en fait. Mais il s'avance petit à petit avec ses machines. On s'en fout. Juste maintiens-le le prochain coup, essaye de. S'il déplace une spine, essaye de prélever des dégâts sur la spine, même si tu la tues pas! Ouais. Tu fais un mouvement de tiroir, t'as que ça à foutre en fait. Le rentabilise quoi. Je t'envoie de la bio 1-1 là. Je t'envoie, y'a deux medivac, y'a des tanks qui arrivent aussi. Le rally point, je le laisse ici là. Par là. Genre c'est volontaire genre. Ça marche. Tu vois où ils sont, à chaque fois tu récupères les troupes là-bas, comme ça t'évite de faire F2. Tous à vos postes. T'as un troupe dans ton medivac. Ouais, t'as un troupe dans ton medivac que tu vas perdre. D'accord. Je sais pas trouver le tank. Il devrait arriver normalement. Téléphone. Pas vrai. Merde, je t'ai même pas fait le combat de shield, je suis un fils. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. C'est moi que vous voulez. Opérationnel, prêt à partir. Champ de minerai épuisé. J'ai même pas vu les ressources. Dépôt de ravitaillement supplémentaire. Gros, même là, la micro, les tanks qui slack. Pas mal. GG! Il a essayé de sortir ce fils! En fait, il attend peut-être qu'on lui dise well play aussi. Quel team de ouf! Voilà, c'était facile.
tellement simple. Et là il utilise même pas le steam, il troll. Oui, il reste. Il me casse les couilles comme ça. Il peut rester jusqu'à quand dedans? Quand tu tout quoi. Tout, ok. Okay. Et lui il peut se recréer n'importe où. Donc il y a une unité. On va faire ça comme dans les livres. Prendre 4 des prêts. C'est bien, il laisse le temps de monter à 200 vite fait. Juste pour juste histoire de dire quoi. La libération. La libération est arrivée. Et tu vois là, je suis là par exemple, même en mode archon, je reste mauvais. Le timing, ils sont. J'ai même pas un micro en fait. Je devrais pouvoir, même en faisant juste de la macro, mon timing il est pas ouf. Bon après ça va, mais c'est pas de haute voltige. Quoi. Ça pourrait être bien mieux. Qu'est-ce qu'il fait ce cafard? Ouh! Et il y a écrit IST et ONIA. Je sais pas si ça te... Non, toi ça doit te faire dans l'autre sens du coup. Non, ça marque ça aussi. Holy shit, la victoire! Ouais. On est à 2-4-3 gros! Laissez-moi tranquille! MMR ennemi 2304 gros! What the fuck? Oh. Ah bah là gros, si tu veux rigoler, je pense qu'on peut même faire l'inverse, genre moi qui micro et toi ici. Attends, je reviens. On rigole? Faut que je fasse de la macro? Es-tu sérieux? Gros, on a une MMR négative. Mec. On va être classé genre bronze, mec, ça va être rigolo. C'était mieux ça comme BO ou... Ouais. Très bien. En fait, c'est l'occasion, mec. T'as un type, il veut faire les unités que t'as envie. Bon, les gars, je vous laisse. Je vais juste faire du pub. Je vous dis à la prochaine. Salut, vieux. Bonne session. Merci. Moi aussi. User disconnected from your channel. Mec, tu veux du masse ceci, je te fais masse ceci. Tu veux du masse cela, masse Raven, frère. Mais ça, on peut le sortir si la game elle se stabilise un peu et qu'on a pris du gros avantage économique avant, en fait. D'accord. Je t'envoie des troupes, tu les suicides petit à petit et je te fais une grosse masse de Raven à la maison. Quoi. Ça me plaît. Moi je fais du missile dans le tap, piou piou. Dépendant ce qu'il a, il faut des troupes pour taper un peu dans les missiles aussi quand même. Pour bien sûr. Après tu peux full clean au missile mais... Il faut avoir une bonne masse. Ouais. Après j'ai plus tendance à faire des Battlecruiser que des Raven, mais des Raven ça peut être marrant. T'as compris le pouvoir, la matrice là? Ouais, je sais la matrice que ça fait. Ça désactive. Ouais, c'est trop fort, mec. C'est trop fort, gros. Des push sur des tu sais, des Terran, et t'as un push avec des Marines, c'est genre t'as juste un Raven et t'es baisé. Il suffit qu'il y ait un tank, t'es baisé. Mais s'il y a que un ou deux tanks, tu peux largement t'en sortir grâce à la matrice. Et du coup, de plus en plus en TVT, les Terran ils sortent un Raven assez vite en fait. En plus, ça contre Banshee. Puis tu peux harass avec. C'est limité, mec, t'as pas beaucoup d'énergie. Mais la tourelle, elle est godlike. Ouais, je sais qu'elle est godlike. Tourelle, c'est très fort. Hein.
En vrai, on pourrait jouer Protoss, on pourrait jouer plein de trucs comme ça. Ouais, c'est pas faux, hein, je peux jouer Protoss. Hein. Mais mec, on a tagué des types à 2300, gros. C'est équivalent de bronze 3, je pense. Je pense que je mérite, hein. Ah, pas à ce point-là. Le jeu, il est ce qu'il est, mais il est quand même ancien. Les ligues, toi, tu te classes or, je pense. En 1v1, peut-être argent. Parce que t'as des trucs qui te rattrapent, en fait. T'as des trucs qui te mettent au fond. Mais vu que tu joues, comme je te dis, tu pourras jamais apprendre si tu joues pas un peu plus, quoi. Donc tu resteras frustré de ce que tu fais. Ben oui, mais j'ai pas vraiment la volonté, donc c'est ça aussi. C'est à partir de là. Il y a des moments où j'ai envie de jouer à StarCraft, mais là c'est pas un moment où j'ai vraiment envie de jouer à StarCraft, du coup tu vois, genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas envie de forcément de tryhard, de progresser. Merde, tu fais quoi? Putain. Oh, le mec, il a perdu du temps de minage, frère. Ouais, j'ai perdu du temps de minage, je suis en 4. On a perdu. Kappa, kappa. Ouais, un secours. T'as même pas vu que c'était les mêmes. Non, merde, j'ai voulu mourir à côté. Oh, c'est bizarre la map, hein. Putain, on dirait une map de Dark Vador. Mais je crois que j'ai wall du mauvais côté. Moi j'ai wall du mauvais côté. J'ai wall la pocket là. J'ai wall la pocket. On aurait pu faire un BOBC ici. C'est tellement mauvais que ça se fait. Hein. Vas-y, tu m'as chauffé. C'est Zerg, non? M'a chauffé, gros, on lui met des BC dans la gueule. Frère, si tu veux, tu joues tout seul, même. Tu peux micro quand même, putain, t'es vraiment un cœur. Comme ça, en fait, tu peux micro les premières troupes, mettre vraiment de la pression, et en plus, je t'envoie le BC après. Moi, je te l'envoie le BC directement, tu le récupères. Ça marche. Bon, ça peut être drôle, en fait. Ça m'a séduit. Il faut pas que je perde tout avant que le BC arrive, quoi. Faut que t'évites. Faut vraiment que t'évites. Et on peut scouter au Reaper ou pas? Mais non, parce qu'il faut que tu poses la donne. Il faut que tu poses l'usine. Ouais, faut que je pose l'usine exactement. Ça va, le BO est pas trop mal exécuté. Merde, j'ai fait de la merde là. Au moment où je dis ça, je fais de la merde. Eh mais bravo, ouais. Bravo, ouais, salut. Et voilà. Bon chemin. On danse. Amélioration du centre de commandement. Allez, t'es jolie la danse. Oui. Go go go. C'est moi que vous voulez. Go go. Go go go. Du coup, on monte trop en APM. Débile. Quoi? On monte trop en APM. Ça se fait? Ah, parce qu'on est deux? Parce qu'on compte nos APM ensemble en fait. Donc, comme toi, tu fais juste que des mouvements sur la map, t'as des APM. Genre là, on est à 300, 319 APM, tu vois. Grosse APM. A deux, on fait pas ce qu'un pro fait, gros. Oh, c'est pas surprise. Voilà. Oh, pan sophiste, à ce problème. Pan sophiste. Et du coup, le mec peut jouer tout seul, ça change rien, quoi. Bah ouais. Pan sophiste. C'est bon, je peux envoyer la pression un peu. Envoyons la pression. Oui, il faut le cyclone avec. Oui, il est là aussi, quand t'inquiète. Oui, il y a du zergling. Dans le map. T'as largement de quoi clean. Bien sûr, je sais. Ça, je le suis. Il fuit ce couard. Viens là. Merde, j'ai fait de la tech sur. Vas-y, je pivote, je vais chez lui. J'ai perdu de la prod de Lyon. Il s'est fait cavaler comme ça, cet enculé. Peut-être qu'il va arriver à la maison par contre. Ok, je garde des troupes alors. Ouais, garde. Parce que j'ai pas fermé le wall en fait. Ah, il est à la maison, je crois. On va perdre juste parce que j'ai pas fermé le wall, vraiment. Je me débrouille, hein.
Mais fais pas de F2 juste. Absolument aucun F2. Pas non plus hein, du coup. Je crois que j'en ai fait un. C'est pour ça. Pas grave mais. Il y a le BC en production hein. Bon, je suis dans son écho, j'ai pas besoin du BC, tu peux le garder même. Non mais moi j'ai clean déjà. Ok. Tu peux F2 alors? Ouais. Merci. Ah, il a pris la pocket. Filme-moi tout ça. Tu vas me refaire le même coup? Non. Tu niques bien ta mère cette fois, toi et tes spines. Là j'ai de la bio et un cyclone enculé. Donc tu vas pas mettre 15 spines par terre pour sauver tes ouvriers, je sais pas quoi. De toute façon, s'il fait trop le fou, je t'envoie le baisser. Mais là il est en train de se sauver par l'entrée en fait. Regarde. Allez. Ah non, il envoie des. Ok, mais j'ai fermé cette fois. Pardon, il y a un F2 qui est parti, je crois. C'est pas. Donc tu me prévient. Il y a 4-5 Zergling qui s'est battu sur un map. Tiens. J'ai entendu un BC arriver. Tu vas poser plein de bases, t'enculé. Elle va nous casser les couilles encore. Ah, encore. On va faire les lions par deux, on va faire les marines par deux. Non, les marines par deux, non. Dans la mouise. Tu m'appelles 05, bien sûr. Peut-être t'allais répondre à des numéros en 05. Y'en a un qui a quitté, est-ce que l'autre il peut quitter aussi ou est-ce que bon faire? Ah non, l'autre c'est un tryharder. C'est un kid, il a 12 ans. On a demandé la flotte. Je fais ça. Comment s'envoyer des troupes sur toute la map parce que là. Ouais. Merde! T'as fini de ping, enculé? Je veux pas ping. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Parlez-moi, chef. Arrête F2, please. No more F2. Allumez-moi. Je suis pas en F2, je fais des. J'ai juste fait un full AAA sur toute la map. Putain de merde. GG's. Ouais. On est argent 3 2164. Voilà, très très bien. Ça me correspond tout à fait. Des grosses barres. Alors là, mec. Maintenant tu peux tag Protoss. Non, c'est Zerg que tu joues toi, Protoss. Bah écoute, c'est ça. Oh, je peux jouer Proto, ça. Non, je peux. J'aime bien toutes les races, je suis pas raciste. Ça m'entraîne quoi qu'il arrive en fait. Ça me maintient dans le game. Ouais, c'est pas mal comme petit mode une fois de temps en temps, c'est pas mal. Ah, ça va être encore mieux avec un vrai joueur. On zerg encore. Parce que cette fois-ci on est Protoss. Je crois qu'il faut faire des îlots, je crois. Oh, les îlots c'est fort. Les îlots c'est fort. Et quand il y a des banings, c'est moins fort. Et Voidray.